élections professionnelles, donc liées à ce CSE, ont été annulées depuis le 5 avril. Donc, ce qui fait qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion. Tous les mandats ont été annulés, donc il n'y a plus de secrétaire, plus de trésorier pour pouvoir procéder à la signature des bons de commande, pour pouvoir payer, pour pouvoir faire des avances et surtout pour pouvoir payer les salaires. Aujourd'hui, nous avons 16 employés du CSE qui ne percevront pas leur salaire dans les délais habituels qui sont à peu près avant le 30 du mois. Tout ça pourquoi? Parce qu'une annulation d'élection entraîne deux choses. Soit les organisations syndicales prorogent les mandats, c'est-à-dire qu'on va prolonger les mandats qui étaient déjà effectifs, mais cela reviendrait à tout simplement mettre de côté le jugement du tribunal et faire comme s'il ne s'était jamais rien passé et comme si l'employeur avait fait ce qu'il fallait alors que nos élections ont été annulées parce que l'employeur a, il y a eu un, ce qu'on appelle un manque de loyauté. C'est pas nous qui le disons, c'est le terme du tribunal, parce que l'employeur n'a pas fourni des documents obligatoires et nécessaires pour qu'on puisse, syndicat, nous, travailler en amont des élections. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des mandats qui ne seront pas prorogés. Donc la seule solution, c'est de faire nommer un administrateur judiciaire. L'employeur aurait pu le faire. Il a la qualité pour le faire. Il travaille au quotidien avec des avocats. Il aurait pu le faire, mais a préféré laisser traîner les choses. La première réunion était le 11 avril. On a fait 4 autres réunions depuis. Tout ça pour nous imposer sa manière de voir. Il voulait absolument proroger les mandats. Or, ça n'a pas été fait. On a, nous, décidé, organisation syndicale, pour que les salariés puissent être tranquilles, avoir l'esprit tranquille, proroger jusqu'au 30 avril pour qu'ils puissent être payés. Au-delà de ça, ensuite, les mandats s'arrêtent. La CFTC, voyant que rien ne bouge, a décidé de faire nommer cet administrateur judiciaire. Il y a les délais administratifs, il y avait les vacances scolaires. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une audience le 23 mai. L'administrateur sera bien nommé, mais suite à un jugement du 6 juin. Et aujourd'hui, jusqu'au 6 juin, on a nos 16 collègues qui ne seront pas payés. On a monté une intersyndicale avec la majorité des organisations syndicales présentes à la CGSS pour demander à l'employeur de pouvoir exceptionnellement verser les salaires des salariés. Il faut savoir que mensuellement, le comité d'entreprise reçoit une part de contribution de l'employeur liée à la masse salariale. Et du coup, de prendre une partie de cette contribution pour payer les salaires et une fois que l'administrateur sera là, faire un remboursement. Mais c'est une mesure exceptionnelle qui ne se fait pas tous les jours, mais c'est pour ne pas laisser 16 personnes dans la galère. Et